Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut les bricolos, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2, donc le résultat final du plateau de bureau de direction. On y va tout de suite. Bonne vidéo à tous, c'est parti. Voilà, donc ça pour rappel c'est le dessous, d'accord. Donc là tu vois j'ai fait 4 rainures à mi-épaisseur,
tout simplement pour soulager les tensions du bois. Donc là, on va simplement mettre ce qu'on avait fait juste avant, ces baguettes. On va les mettre dedans pour boucher le trou. Et là, le fait de casser un peu la fibre, ça va améliorer la stabilité du bois dans le temps. Ça évitera qu'il gauchisse, tout simplement. Donc voilà. Sache que si tu veux faire un gros plateau très large, tu as plutôt intérêt à faire ça. Même si ton bois est sec, le fait de changer d'environnement, c'est-à-dire de le passer d'ici à là où tu vas le livrer, ou si tu le changes de pièce, ou si tu déménages, dès qu'il y a changement de taux d'humidité, le bois il bouge, dans un sens comme dans l'autre. Donc ça bouge tout le temps, donc il faut vraiment faire gaffe, être le plus précis possible. Deuxième conseil par rapport au choix du bois, si tu veux qu'il soit stable, il faut prendre du bois de ce qu'on appelle plein quartier, c'est-à-dire le plus proche du cœur. Comment tu vas le voir? Si les cernes annuelles sont le plus perpendiculaire possible, c'est que tu es en plein quartier. Ok, si les cernes elles sont hyper allongées comme ça, ça veut dire que tu es sur le côté du tronc. Et là, c'est là que ça va bouger à mort. Ok, là, ça c'est du bois qui va être beaucoup, beaucoup plus stable que du bois qu'on appelle de dos, D-O-2-S-E. Alors donc après quelques heures de ponçage, j'ai dû poncer au final je pense bien 4 heures facile, 4-5 heures. Donc j'ai poncé au 40, au 80, au 120, au 180, au 240, au 320 et au 400. Alors pourquoi j'ai fait autant? C'est simple, c'est parce que déjà je voulais faire une montée progressive pour enlever les traces du grain précédent. Et de deux, je veux que la surface soit vraiment nickel. Et surtout qu'avec le Rubio, plus tu vas poncer fin, plus ta finition sera satinée. Si tu t'arrêtes au 120 ou au 150, tu auras une finition qui sera plus mat. Voilà, de ce que j'ai vu de ma propre expérience. Donc voilà la raison. Allez, place au Rubio. Je profite de la vidéo pendant que j'y suis pour faire un petit clin d'œil à Seb, de Brico Seb, qui m'a envoyé un petit sticker sympa. Donc allez voir sa chaîne, Brico Seb. Brico tuto passion, franchement il bosse super bien, il s'applique et tout, c'est vraiment top ce qu'il fait. Donc allez-y et abonnez-vous. Allez, on continue.
A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come around and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking Voilà, ainsi s'achève ce magnifique projet. Le plateau a été livré chez le ferronnier qui va faire le piétement en métal. Malheureusement, on ne pourra pas le voir de suite parce qu'il ne l'a pas encore fabriqué. Donc je vous mettrai les photos sur les réseaux sociaux dès que je les aurai. Donc d'ici, je pense, la semaine prochaine. Donc pensez à vous abonner à la page Facebook et à la page Instagram si vous voulez ne pas manquer le résultat final. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bon courage, à la prochaine. Salut !